Bonjour à tous et bienvenue pour ce chapitre 9 et du Voices sur comment s'inspirer, comment faciliter l'interdisciplinarité. Bonjour Joris. Bonjour Gauthier. Bonne énergie. Impeccable. Super. Alors on attaque sur ce chapitre 9. Aujourd'hui tu voulais parler un petit peu d'inspiration avant de parler d'innovation. Oui. Pourquoi est-ce que tu vois le lien, quel est le lien entre les deux notions en fait? Alors le lien est très simple. L'innovation, ça provient de deux choses. Mmh. Une première chose qui est l'accident, quelque chose qu'on ne va pas pouvoir aller prévoir. Okay. Et de l'autre côté, quelque chose qui va être beaucoup plus important et qu'on va pouvoir aller travailler tout au long de sa vie professionnelle, qui est l'inspiration. Comment est-ce qu'on va rentrer dans un processus créatif, parce que avoir l'inspiration, c'est le point de départ du processus créatif, pour pouvoir avoir de nouvelles idées, pour pouvoir justement rentrer dans une méthodologie de projet et innover, implanter de l'innovation dans sa classe. Ok. Pourquoi en fait, pourquoi et comment est-ce qu'on peut venir s'inspirer directement? Alors, arriver à s'inspirer, c'est arriver à créer un cadre autour de soi. Okay. La première chose, c'est s'inspirer de son semblable. Par exemple, je suis enseignant en éducation musicale, je vais aller regarder les enseignements ou les pratiques des autres enseignants dans cette discipline. Ça, au final, on dit qu'on va aller appliquer ce qui se passe ailleurs pour l'impliquer dans la classe. Au final, c'est de l'apprentissage par mimétisme. C'est pas de la réelle innovation, parce qu'au final, on prend quelque chose et on le réapplique. Et après, le processus d'innovation va rentrer en jeu dès lors qu'on va commencer à changer ce qui s'est passé dans l'autre classe, dans sa classe, pour pouvoir l'adapter et le repartager ensuite. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on va réussir à s'inspirer, à rentrer dans ce processus créatif pour proposer des innovations qui n'ont jamais été encore expérimentées, rien qui n'a encore jamais été pensé par d'autres personnes. Je rebondis sur ton propos par rapport à la notion de mimétisme. C'est intéressant de copier. Beaucoup d'innovateurs ont copié, mais bien après sûr. Il y a la problématique de ne faire que ça, et c'est aussi une mécanique répétitive. Oui. Que de copier, donc il y a aussi ce danger-là à avoir. Bien sûr, il y a des gens qui sont très très bons à copier, et c'est pas mauvais. Mmh. De lors qu'on va aller commencer à adapter ce qu'on copie à l'usage de sa classe, parce que chaque classe est différente, chaque élève est différent, et du coup on va devoir tout le temps être dans un processus d'adaptation. Cependant, quand on rentre dans ce processus de copie, c'est très difficile d'en ressortir pour pouvoir vraiment avoir de nouvelles idées, parce que ça ralentit le processus créatif en fait. Ce qui est important, c'est d'arriver à garder les yeux ouverts et au final à aller voir en dehors de sa discipline, en dehors des disciplines de manière générale, en dehors de l'éducation, et d'aller chercher de l'inspiration ailleurs. Et ça peut être dans les milieux scientifiques, dans les pratiques des milieux scientifiques, dans les pratiques des milieux de traders, dans la finance, voir comment est-ce que ces domaines-là fonctionnent pour pouvoir se dire « Ah, ça c'est une bonne idée, comment est-ce que je peux le traduire, comment est-ce que je peux le retransmettre dans le milieu de l'éducation pour l'adapter à mes élèves ?» Ok, donc aller vraiment s'inspirer sur des choses qui sont différentes. Est-ce que là, directement, t'es pas en train de parler de la notion de décloisonnement ? Bien évidemment, c'est le point central sur avoir justement une idée, une nouvelle idée et avoir de nouvelles idées, c'est d'arriver à toujours avoir un état d'esprit décloisonné, d'aller chercher la valeur dans d'autres domaines. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est une gymnastique qui est très simple, mais qui est très difficile d'avoir ça au quotidien, tout simplement parce qu'il va falloir arriver à schématiser ou du moins à comprendre l'architecture de pourquoi est-ce que ça fonctionne de cette manière-là. Et ensuite, c'est comment est-ce qu'on va aller voir la valeur de cette pratique ou de ces habitudes sur certains domaines pour pouvoir la réimpliquer dedans. T'as un exemple de choses toutes simples sur lesquelles un enseignant pourrait aller s'inspirer? Bien évidemment, je pense notamment au cadre des grands groupes qui, depuis bien une dizaine d'années maintenant,
vont aller chercher des coachs sportifs pour justement s'inspirer de leurs pratiques, de leurs habitudes, okay. pour pouvoir justement les réappliquer dans le milieu d'entreprise. On voit très bien des conférences données par des anciens grands champions, des anciens athlètes qui sont là pour transmettre quelle est la problématique de la rigueur dans le sport, comment est-ce qu'on fait pour rester concentré sur l'instant présent. Ce sont des choses qui sont aussi utile dans le milieu d'entreprise et c'est ce qui a permis justement à beaucoup de dirigeants de pouvoir passer les vagues et continuer à surfer sur la vague sans jamais tomber de son surf ou de couler. Donc en fait ce que tu dis c'est que par exemple sur du sport collectif, oui. Des enseignants pourraient très bien regarder que propose un coach ou un entraîneur à son équipe, bien sûr, pour peut-être le réappliquer, réintégrer dans des pratiques en classe ou collectivement ou avec d'autres enseignants. Bien évidemment. Oui. Ok, super, merci. Là, tu dis il faut arriver à voir la valeur dans d'autres domaines. Si on se repositionne à l'échelle directement de l'éducation, oui. Comment est-ce que du coup cette notion d'inspiration elle peut venir favoriser l'interdisciplinarité? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est avant tout la sérendipité. On parlait d'accident tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Par exemple, aller au hasard sur internet et naviguer sur le web, on peut arriver à trouver des choses qui soient intéressantes, qui nous intéressent, un blog, un article de blog, une vidéo sur YouTube, voilà, des choses comme ça qui vont arriver où on ne peut pas les attendre au final. C'est ça le principe de la sérendipité, c'est avoir des nouvelles idées un peu de partout et totalement au hasard. Ce qu'on peut faire autrement, c'est arriver à se créer un cadre. Et la première chose, c'est travailler le cognitif. Dans le processus créatif, il y a énormément de méthodes qui sont là pour pouvoir favoriser justement l'acquisition de nouvelles idées. Et je pense notamment à l'analogie, à l'association d'idées qui vont permettre tout simplement de pouvoir faire des connexions forcées entre des disciplines, des domaines ou tout simplement des actions, des pratiques qui vont nous permettre justement de pouvoir se dire « Ah, là, il y a un match possible où il va falloir que j'aille creuser. » Ça me donne du fil à retordre et de la suite dans les idées. La troisième chose qui est importante, c'est provoquer la rencontre. C'est important de ne pas rester seul. C'est important de travailler sur l'échange. C'est important de travailler sur la discussion et la compréhension de l'autre. Au final, c'est comment est-ce qu'on garde l'esprit ouvert quand on discute avec des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes habitudes que nous. On l'a vu tout à fait quand on a travaillé sur les différents types de transmission où il fallait garder l'esprit ouvert et discuter avec des personnes qui avaient un type de transmission différent. C'est exactement la même chose dans ce cas, sauf qu'on va aller chercher à comprendre les avis des gens, chercher à comprendre quel a été le processus pour arriver à telle innovation. Je pense typiquement à des entrepreneurs. Moi, une des questions qui me vient très souvent quand je parle avec des fondateurs de start-up, c'est quel a été ton processus, ta réflexion, ton cheminement pour pouvoir arriver à cette idée-là. Et derrière, c'est comment moi je peux le réappliquer en me disant ah ouais, ça m'a fait penser à ça et ce genre de choses. Et la quatrième chose, c'est tout simplement comment est-ce qu'on systématise l'ouverture à l'extérieur. Et ça, c'est une gymnastique du quotidien qu'il faut avoir pour pouvoir toujours changer, avoir de nouvelles idées. Typiquement, ça va être, pour un enseignant, ça va être aller lire des livres sur des domaines qu'on ne connaît pas du tout. Si je suis enseignant en langue, je vais aller chercher des livres sur la compréhension du boson de Higgs, par exemple. Ça va être sur la compréhension de la finance. Ça va être sur des choses où au final, c'est un apprentissage vraiment en mode diffus qui va nous permettre d'avoir de nouvelles idées. Donc on va aller apprendre quelque chose sur un domaine qui est totalement non connecté au nôtre. Et derrière, quand on va être vraiment en mode diffus, on va finalement se dire « Ah, mon cerveau va faire la connexion entre les deux domaines très rapidement et très facilement sans s'en rendre compte. »
De l'autre côté, on peut très bien aussi s'abonner à des comptes Twitter de personnes qui ne sont pas du tout dans l'éducation. Je reprends l'exemple des sciences, c'est super intéressant de rester connecté par exemple avec la NASA, aux innovations de la NASA, aux innovations dans les startups, aux innovations sur la biologie. Il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites sur la biologie, la génétique, et c'est comment est-ce qu'on peut aller susciter également la curiosité de ses élèves en apportant du contenu par rapport à ça aussi. Un exemple tout bête, c'est d'aller voir les postures qu'ont les plus grands innovateurs qu'on connaît dans ce monde, et de comprendre que ça a été cette posture-là au final, de rester toujours ouvert et de s'intéresser à des domaines qui ne paraissait pas du tout connexe avec le domaine d'action. Si on prend les livres que conseillent Steve Jobs ou Bill Gates, on va aller, par exemple sur Steve Jobs, on va aller voir des livres qui sont plus sur la méditation, la pensée, le bouddhisme. Il y a beaucoup de livres sur ce genre de sujet. Bill Gates, dans les lectures qu'il conseille sur l'année 2016, il y en a sur la compréhension du monde. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une notion d'aller s'inspirer soi pour aussi aller plus davantage sur de l'interdisciplinaire. Oui, avec d'autres personnes, donc du coup il y a ce passage-là, cette ouverture d'esprit pour mieux bosser ensemble. Bien sûr, exactement. Au final, comment mieux bosser ensemble, ça veut aussi dire comment est-ce qu'on transmet cet état d'esprit d'innovateur aux autres. Aux autres, ça veut dire ses collègues, mais également aux élèves. C'est créer un cadre propice. Et pour créer un cadre propice sur ces domaines-là, il faut arriver à instaurer des moments d'échange qui sont forcément en dehors de la réunion et qui sont également sur des temps d'échange qui favorisent la curiosité et le partage de nouvelles idées. Il y a des exemples tout simples à faire où on peut s'inspirer de ce genre de temps, typiquement les TEDx. Créer un événement comme ça pour son établissement, c'est être à la recherche et partager et vouloir partager ses idées à son entourage. Donc ça, c'est un premier exemple qui peut être intéressant. Okay. Quelque chose qui demande beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'investissement qu'organiser un événement à l'échelle de son établissement ou de sa ville, ça peut être ce qu'on appelle les vidéo jams. C'est ce que j'aime bien faire pendant les pauses quand je fais des formations. C'est demander aux personnes qui sont présentes de, pendant une pause, de venir à l'ordinateur et de présenter une vidéo qui pourrait être intéressante. Et ça, on peut tout à fait le réintégrer dans le cadre d'un cours, où soit on prend un moment dédié durant la séance, ou on peut prendre le moment de la récré pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont intéressés. Et dans telle salle, il y a un vidéo jam où on va aller partager et on va aller pousser la créativité et la curiosité à la fois des élèves, mais aussi des enseignants. Quelque chose moi qui m'a toujours fasciné, c'est l'exemple de l'EHESS, donc l'école des hautes études en sciences sociales, où il est très courant de voir d'autres enseignants assister aux cours de leurs collègues parce qu'ils vont aller apprendre de nouvelles choses, ils vont aller découvrir de nouvelles choses, et du coup ça, c'est un cadre qui est intéressant. Donc n'hésitez pas aussi en tant qu'enseignant d'aller dans les classes pour pouvoir revoir un peu le programme de maths typiquement, ou voir le programme de sciences, et du coup ça va permettre de justement créer des moments d'interaction, se dire ah ça c'est intéressant, moi je travaille là-dessus aussi sur une séance, ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Et ça typiquement c'est c'est hyper utile pour la préparation des EPI notamment. Ok, super, merci. C'est vraiment quelque chose de très transversal, très diffus, bien sûr, qui prend du temps. Enfin, cette notion c'est pas quelque chose de spontané, mais tu parles d'habitude et de gymnastique à réappliquer. Toi, qu'est-ce que tu voudrais qu'on puisse retenir de ce chapitre 9 par rapport à cette notion d'inspiration, de décloisonnement et de faciliter l'interdisciplinarité? Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que innover, c'est important. C'est important non seulement pour proposer toujours quelque chose qui est intéressant à ses élèves, qui va aller les motiver, mais c'est aussi les préparer à rentrer dans la vie adulte
et de les outiller par rapport à cette entrée. Parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus décloisonnée, qui demande de plus en plus d'innovation. Okay. On va aller chercher des profils dans l'entreprise qui sont des innovateurs, qui sont force de changement. Et du coup, arriver à partager, transmettre cet état d'esprit à ses élèves et aussi créer un cadre autour des élèves avec ses collègues qui va permettre de favoriser cette transmission, je pense que c'est extrêmement important. Et qu'au-delà de changer ses pratiques et d'innover dans sa pratique d'enseignant, c'est aussi en faisant ça, arriver à transmettre un état d'esprit qui va être utile pour les élèves tout au long de leur vie. Ok, super, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce chapitre 9. Merci à vous de nous avoir écoutés, de continuer à échanger avec nous sur les divers réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, sur le Twitter également, à vous inscrire à notre chaîne vidéo sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour le chapitre 10. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.